Ici à Sikasso, l'association Les Amis de la Route et Vélo sans âge ont lancé hier dimanche la deuxième édition de la campagne de consultation gratuite en ophtalmologie et optique au profit de 200 personnes âgées. La cérémonie de lancement a eu lieu au CCRF de Sikasso, suivant l'élément pour plus de précision. Ce sont au total 200 personnes âgées issues de la commune urbaine de Sikasso qui bénéficieront gratuitement des soins et consultations ophtalmologiques et optiques. La cérémonie de lancement a eu lieu ce dimanche 1er octobre au CCRF de Sikasso. Déjà à sa deuxième édition, cette initiative de l'association Les Amis de la Route et Vélo sans âge de Sikasso, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées, vise non seulement à améliorer leur santé visuelle, mais également à les offrir les services de santé ophtalmologique de qualité plus gratuite et adaptée. L'objectif de cette activité consiste à aider les plus démunis, les personnes âgées, les anciens combattants, l'association des personnes, les personnes handicapées qui n'ont pas les moyens d'avoir des consultations gratuites, de se consulter, de leur donner une consultation gratuite en ophtalmologie et optique, afin de soulager un peu leur charge. Donc nous souhaitons quand même, dans les années à venir, élargir sur toute l'étendue du territoire du Mali si nous avions des partenaires qui seraient prêts à nous accompagner. Les responsables en charge de la santé dans la région saluent l'initiative et réitèrent leur soutien à accompagner les initiateurs dans l'atteinte de leurs objectifs. Alors, mesdames et messieurs, des associations Les Amis de la Route et à Vélo sans âge, nous voulons une société construite sur la solidarité et le partage. Cette action que vous menez montre la suffisance, votre engagement dans la chaîne de solidarité pour la santé des personnes âgées en général et des personnes souffrant de troubles visuels en particulier. Vous avez choisi d'aider cette couche vulnérable de la société en donnant des offres de soins oculaires à 200 personnes âgées. C'est une action noble, salvatrice, qui mérite d'être soutenue. Tout honoré, il réitère son soutien, sa disponibilité pour la pérennité de cette belle initiative qui, par l'avenir, puisse prendre la charge chirurgicale de tous les patients. La question de santé visuelle est une préoccupation majeure qui anime le cœur, un ouf de soulagement pour les bénéficiaires de voir leur vision s'améliorer davantage. Je remercie très bien, très sincèrement, les amis de la route à vélo sans âge, parce que c'est eux aussi qui sont là, à côté de nous. C'est eux qui vraiment ont senti les difficultés des vieilles personnes de la région de Sikasso pour venir en leur secours. Ça, c'est une très bonne chose. Je remercie très sincèrement le Fonds des Nations Unies pour la population. Voilà. Nous demandons à l'association vraiment de perpétuer cette initiative. Que ça soit vraiment, comme vous l'avez dit, que c'est la deuxième édition. Donc nous souhaiterons que ça continue vraiment chaque année. Pour rappel, cette journée de 1er octobre a été décrétée par les Nations Unies en 1991 pour célébrer les personnes âgées. L'association attend dans les jours à venir s'élargir sur l'ensemble du territoire national afin de toucher d'autres personnes démunies. Notons que ce programme qui se tient du 1er au 4 octobre 2023 est financé par le Fonds des Nations Unies pour la population et Advalia Vision.